Bonsoir les loulous, bonsoir tout le monde. Vous m'aviez demandé une petite routine du matin et du soir, et je vais commencer par celle du soir, puisqu'on est le soir, hein. J'ai allumé mes petites lumières de chambre. Le soir, j'aime bien être sur quelque chose qui est plus posé au niveau de la lumière. Pareil pour mon bureau, du coup, j'ai mis la petite lumière qui est derrière, et on est parti pour faire les choses que je fais d'habitude le soir. En commençant par me mettre en pyjama. Donc je me mets en pyjama et je reviens. Pour ce faire, généralement le soir, pour être cool, c'est un sweat, un leggings. Alors là du coup je vais prendre mon leggings avec des têtes de mort. Et puis un petit gilet en plus si jamais j'ai froid, ou alors je me balade avec mon plaid tout simplement. C'est là où j'en profite pour mettre mes t-shirts geek, comme mon t-shirt Chacha Miao. Comme ça au moins je suis tranquille, je suis à l'aise. No pression. Et pareil pour le sweat, parce que mine de rien, le soir, ça caille. Et pour ceux qui ont suivi un peu mes aventures, ma chaudière, elle est pas très très copine avec moi en ce moment. Et voilà, je suis en pyjama. Le petit détail important qu'on sort l'hiver, les petits chaussons moumoutes. Je les avais achetés l'année dernière, j'en ai deux paires. Je pense pas en racheter cette année parce qu'ils sont encore en bon état. Mais sinon, c'est un peu l'achat généralement où je craque une fois par hiver ou une fois tous les deux hivers, histoire d'être au calme. Voilà. Donc ça c'est la première étape de ma soirée. La deuxième étape souvent c'est de me démaquiller. Sauf qu'aujourd'hui j'ai fait une journée no make-up. Donc qui dit no make-up dit pas besoin de se démaquiller. Par contre je vais faire un petit soin. Et la grosse étape de la journée aujourd'hui, donc ça c'est super hein, pour faire sécher le linge, mais c'est pas ultra efficace, c'est de sortir mon magnifique sèche-linge pour mettre à sécher mon linge tout simplement. Parce que là j'en ai un peu beaucoup. Et généralement avant de partir, comme je vais partir deux jours chez Jim là, j'aime bien que toute ma lessive soit faite. Donc bah c'est parti pour la lessive. Sinon mon étendoir il est contre un mur, il ressemble à ça. Donc pour vous dire que c'est le bazar, mais quand je le déplie je trouve qu'il prend la moitié de mon appart, j'aime pas. Je vais mettre un peu de lumière pour faire tout ça. Boule de linge. Donc souvent voilà c'est ça, c'est que là je vais tout retrier, je vais tout remettre parce que j'ai mis ça un peu à l'arrache cet après-midi. Donc on va essayer de faire ça bien aujourd'hui. Allez, ma mère qui va me voir faire ça. Je sais étendre le linge maman, c'est promis, mais des fois j'ai vraiment la flemme. J'ai la flemme, du coup pour vous dire que c'est mieux que j'achète des affaires qui se repassent pas quoi. Bon c'est compliqué, ça c'est le foulard de ma maman, j'aime trop. Mais j'ai mon chat qui l'a piqué et qui lui a fait pipi dessus. C'est bon, j'en peux plus. Je vous montre quand même le résultat de ce magnifique étalage de linge. Mais il était temps de le faire. Donc ça c'est bon, on va aller ici dans mon petit coin cuisine où je n'ai pas remis de sac poubelle. Donc je vais remettre un sac poubelle. Alors vous allez vous dire, oui des bobos le soir, elle prend un chocolat, elle prend, bon peut-être pas un café, un thé, etc. Non, le soir c'est lait menthe ou lait orgeat. Oui c'est un peu particulier. Ma petite tasse Chacha Miao, mon lait. Des fois je prends du Yop aussi, j'en ai dans le frigo là, mais ce soir un petit lait menthe, ça va être parfait. Hop, j'ai la menthe qui est rangée juste là-haut, genre ici, avec toutes mes tasses, et elle est là. Généralement c'est celle qui est la plus accessible avec l'ice tea. L'instant cuillère, très important. Quand c'est légèrement couleur verte, c'est que c'est bon. Je range mon super frigo avec mes abonnés qui m'ont fait du dévovo YouTube. Bienvenue dans mon frigo. Et ensuite, je vais aller me caler devant le PC gentiment. Alors ici, c'est normal, il y a du bazar sur ma table basse. C'est parce que je vous prépare des petits DIY. Et j'ai pas encore eu le temps de savoir dans quelle heure je vais les faire. Donc pour l'instant, j'ai tout posé sur la table basse. Et je me suis dit, je verrai ça plus tard. Donc un soir sur deux, je fais mon petit masque. Je pense que je le ferai du coup dans deux secondes. Ce qui est cool, c'est que ça ne refroidit pas puisque c'est déjà froid. Donc là, je vais pouvoir me caler, soit pour aller sur Twitch, soit pour regarder des vidéos, soit pour préparer une autre vidéo. Et je vais aller prendre mon petit masque. Je fais soit le matin, soit le soir, ça dépend. Mais ça, je trouve que ça fait vraiment du bien à ma peau, c'est celui-là.
je l'aime beaucoup, le Neutrogena. Bah Neutrogena, je trouve que c'est une marque qui fait quand même des choses sympas. Voilà, là on voit à peu près. Hop, je vais le laisser poser juste 5 minutes. Il fait penser un petit peu à un masque, je dirais presque à la menthe. Enfin c'est vachement frais en fait. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois sur Snap. Et c'est pas un masque qui va être collant ou un masque qui va être dur à arracher. C'est vraiment un petit masque voilà, qui va faire du bien à la peau le soir une fois que vous êtes démaquillée. Donc d'habitude c'est gros démaquillage, ensuite je rince ma peau. Je mets ça pendant environ 5 minutes. Il y a écrit quoi dessus ? Nettoyant. Nettoyant quotidien, élimine les impuretés et réduit les boutons en masque, désobstrue les pores et purifie la peau en profondeur. Truc de masque quoi. Après t'en as partout par contre. Donc ça je fais ça. Donc là j'ai l'impression de mettre de la mousse à raser. Clairement, de la mousse à raser. On va laisser patienter. Ah mon moon. Bon, en gros, une fois que t'as laissé bien patienter, après faut rincer quoi. Du coup, on va rincer. Bienvenue dans ma salle de bain. Qui fait un bruit infernal, je trouve. Je sais même pas comment je vais vous poser, genre là, comme ça. Mode what again. Je vois plus rien. C'est beaucoup mieux. Hein? Ah. Parfait. Après, ça dépend des fois. Des fois, je mets de la crème. Des fois, j'en mets pas. J'allume ma bougie aussi le soir. Et ça, je vous ai pas montré, mais c'est vrai que là, j'ai allumé la grosse lumière pour aller chercher mon lait, etc. Mais le soir, souvent, je mets la lumière comme ça. J'ai une ampoule ici que je trouve super sympa. Bon, là, on verra pas de près, mais j'aime bien la forme qu'elle a. Et une mini ampoule comme ça. Et en gros, ça permet d'avoir une lumière. Une lumière plus douce. Et pas avoir des flashs dans les yeux comme la journée. Et après, c'est soit je live, soit je me cale au KLM dans mon lit avec les réseaux sociaux et Moumoune. Moumoune ! Mais quelle heure là ? Il est 22h45. Et avec mon PC portable qui est là, qui est sur la page d'accueil, où généralement je suis sur YouTube, je suis sur Discord et après je me balade, je regarde des choses. Je fais du petit shopping, je réserve, je papote sur le Discord ou je me balade sur internet, soit sur Maison du Monde, soit sur d'autres vidéos YouTube. Et recoucou, j'ai fait ma pause live, j'ai pas vu le temps passer et il est genre déjà 1h du matin. Attendez, je vous montre, hop. Il est 1h du matin, voilà, il est même 1h05 du matin. Du coup, c'est à peu près l'heure où je me couche d'habitude, 1h, 1h30, des fois 2h quand je traîne un peu sur le PC. Donc j'en profite pour terminer ma routine. Là c'est le moment où je vais me coucher. J'ai mon chat qui fait des acrobaties là. Allez jump. 3, 2, 1, go. Voilà. J'ai un chat qui va venir squatter ici généralement pour s'endormir. Elle vient sur mon ventre. Elle vient faire des gros gros. Oui tu fais des gros gros. Oui mon petit moumoun d'amour. Oui oui oui. Moi c'est le moment où je gagate un peu sur elle. On fait des bisous, on fait des ronrons. J'éteins mes petites lumières, celle-là ça dépend, des fois là je l'ai mise comme ça, je la mets en bleu souvent le soir parce que je trouve que ça fait moins mal aux yeux quand elle est en bleu. Et après tout simplement je l'éteins, hop, je laisse juste celle qui est là-haut, des fois je laisse juste l'autre. Ça dépend des fois, je vais faire un dernier petit tour sur mes réseaux sociaux, répondre à quelques commentaires et puis après c'est l'heure de faire toto. Et là je prends Totoro et je fais dodo. Bonne nuit. Et là mon chat ne me laisse pas dormir parce qu'il a envie de jouer. Normal. Allez, bonne nuit, dormez bien. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'est quelque chose de très simple, mais c'est un peu comme ça que ça se passe tous les soirs. Donc voilà, pas de chichi. Miaou miaou. I could stay like this, forever following you.
just don't.